Le juge Brett Kavanaugh a donc fini par être nommé à la Cour suprême des États-Unis. Les sénateurs ont confirmé sa nomination par 50 voix pour et 48 contre. Brett Kavanaugh, qui avait vu sa candidature compromise après des accusations d'agression sexuelle, il prêtera finalement serment dans les heures qui viennent. On va tout de suite écouter la réaction de Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat. Good day for America. C'est une bonne journée pour l'Amérique et une journée importante pour le Sénat. Nous avons défendu la présomption d'innocence et nous avons refusé d'être intimidés par un groupe de gens qui s'en est pris à des membres du Parti républicain, devant chez eux et dans les couloirs du Sénat.